Bonjour Aline. Bon, on est heureux, hein, comme d'habitude, de vous retrouver. Eh bien oui, notre petit rendez-vous du vendredi, on est là pour vous. Voilà, en cuisine, alors là, on est toujours bien en été, on a chaud, il y a le soleil, c'est ça, on a les vacances. Fraîcheur. Voilà, et qu'est-ce qu'on leur propose? Eh bien, on a trouvé un petit gazpacho bien frais, concombre et pommes, light et frais, se faire plaisir pendant les vacances. C'est clair, on peut abuser et en abuser. Exactement, hein? Et vous allez voir que les enfants aussi adorent. Eh bien, écoutez, le mieux, c'est quoi? On va vous montrer qu'en quelques minutes, vous allez vous régaler sur vos lieux de vacances ou bien pour ceux qui ne sont pas encore partis chez vous en attendant que ça arrive très prochainement. Exactement. Allez, voilà. On y va. Allez. Commencez à cuisiner. Tout d'abord, on va mettre nos concombres. La base. Hein, donc, on les a épluchés, coupés en tronçons. Vous voyez, hein, c'est pas à peine de faire des petites rondelles. Hop, vous voyez, il la va grosseur. De couper et de mixer pour vous. Voilà. On fait le minimum, on est en vacances. Moi, je suis 1000% d'accord. Une gousse d'ail. Allez, zou, regarde. Eh oui, un petit peu de saveur. La pomme coupée, alors là, c'est très précis, en 8 morceaux. Alors, on a fait attention. On fait un peu de maths, même en vacances. 250 g de yaourt nature. Eh bien, vous avez vu? Tout est prêt. On n'a plus qu'à mettre dedans. Allez, c'est parti. Et ça se remplit. Voilà. C'est parfait. L'huile d'olive. Allez, zou. Alors ça, n'hésitez pas à en ramener de vacances, hein, si vous partez dans le sud et tout. Directement acheté au... Comment on appelle ça, au moulin. C'est souvent dans les marchés, on trouve de superbes choses, des produits artisanaux, des petites choses. Voilà. Vraiment, n'hésitez pas à vous balader et puis à nous dire aussi ce que vous avez pu trouver, des petits produits régionaux, locaux, qui vont vous permettre de mettre de la personnalité dans votre cuisine. Exactement, aussi. Et puis de vous rappeler après tout au long de l'année les vacances avec vos petites épices que vous avez trouvées. Ça, c'est bien sympa. On a besoin en plein hiver, on en aura bien besoin. Alors, du vinaigre de cidre. C'est parti. Oh là, on est synchro. T'as vu ça? Hop là. Du sel avant. Ah oui. Touche de sel. Hop. Alors là, nous, on a choisi un petit sel. Alors, vous pouvez vous faire plaisir, hein, un petit sel aux algues. Voilà. Voilà, ça donne un peu de saveur. Exactement. Voilà. Chacun met ses goûts. Et le poivre, alors là, ils nous préconisent du poivre blanc. Donc, on va respecter la recette, mais si vous n'avez pas, n'hésitez pas à prendre ce que vous avez dans les cuisines. Vous mettrez votre touche personnalisée. Tout à fait. Insérez le couvercle et le gobelet doseur. C'est parti. C'est parti. Et là, on est parti sur 2 minutes de mixage pour obtenir notre gazpacho à vitesse 5. Bien, voilà. Il n'y a plus qu'à servir. Alors, attention le résultat. Un bon petit gazpacho. Super. Nickel. Regardez-moi ça. Bon, on va les servir, hein, tout simplement. Ouais. Alors, regardez. Alors, on a pris des petites verrines, hein, pour continuer à prendre un peu soin de nous, soin de l'un avec les autres. Donc, voilà. Comment partager des petites verrines, sympas, rapides à faire, très fraîches, en vacances, pas en vacances, entre amis ou en famille. En tout cas, voilà une petite recette qui est fort sympathique. On va aller se mettre en terrasse, parce qu'on a le soleil. Exactement. Notre petit apéro est servi, notre petite verrine. À déguster sans modération. Voilà. Hein? Alors, n'hésitez pas à le mettre un petit peu au frais pour que ça soit... Ou même peut-être à rajouter quelques glaçons si vous voulez le servir. Ça marche aussi. Les petites astuces de vos conseillères préférées. Exactement. Toujours là pour partager avec vous ces petits instants en cuisine. Hein. C'est toujours un bonheur. Exactement. Et puis, la semaine prochaine, on a deux invités mystères la semaine prochaine. On est en vacances et on a deux invités mystères. Alors, on ne vous dit pas de plus. Hein. On vous donne rendez-vous vendredi prochain pour les découvrir en vidéo avec nous. Exactement. En tout cas, on vous souhaite un très bon week-end. Bonnes vacances pour ceux qui y sont. Et prenez soin de vous. Exactement. À la semaine prochaine.